Bien, je vous propose que l'on commence, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Olivier Thomas pour l'appel, s'il vous plaît. Madame Lebrun-Agnès. Monsieur Guilcher Bernard. Madame Simon Galouedec-Marie. Monsieur Tigré Attalin. Madame Piriouani. Monsieur Aurégan Georges. Madame Julie Charlotte. Retard, je crois. Monsieur Pouliquin Jean-Charles. Madame Tilly Marlène. Monsieur Prémel Yvon. Madame Mingam Chantal. Monsieur Fouler Bernard, pouvoir à Monsieur Georges Aurégan. Madame Léon Christiane. Monsieur Salin Yvon. Madame Budet Janic. Madame Yvon Vendredaine Françoise. Monsieur Amono Alain. Monsieur Moulec Serge. Je crois qu'il sera en retard. Monsieur Le Gaillic Yann. Madame Nicolas Estelle. Monsieur Daniel Oualain. Présent. Madame Guillaume Muriel. Présent. Madame Champoux Sonia. Madame Mulaki Tumani. Monsieur Olivier Thomas, présent. Monsieur Cloirec Jean-Pierre. Présent. Madame Binès Elisabeth. Monsieur Vermeau Jean-Paul. Présent. Monsieur Dupont Ismaël. Présent. Madame Nol Sarah, pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Cloirec. Monsieur Guédard Hervé. Monsieur Babsiérès Jean-Philippe. Madame Scatolin Valérie. Absente. J'ai pas de pouvoir. J'ai pas de pouvoir, non. Fin de l'appel, merci. Merci beaucoup. Attribution déléguée, est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Première délibération concernant les actions entreprises suite aux observations de la Chambre régionale des comptes. Rapporteur Alain Amono. Bien. En 2015, la Chambre régionale des comptes est venue donc auditer la ville de Morlaix et s'est intéressée donc à l'administration et la gestion donc de la ville. Toutes ces conclusions ont fait l'objet donc d'un rapport qui vous a été présenté en janvier donc 2016 à l'occasion donc du conseil municipal. Donc aujourd'hui, un an après, il y a donc une obligation de réponse à ce rapport. Et ce que l'on va regarder ensemble, c'est quelques illustrations donc des réponses qui auront été portées. Il n'y aura pas de vote, simplement. Donc on vous demandera de prendre acte donc de ce qui aura été fait. Alors, les préconisations donc ne sont pas déjà donc des obligations à faire. C'est juste donc signaler des voies de progrès éventuellement, optimisation également de ce qui peut être fait. Donc on s'intéresse beaucoup au traitement des opérations, au côté réglementaire et au côté également légal. Et ça touche pas mal donc de parties, notamment comptables et financières, gestion financière. Donc on a donc un certain nombre donc de demandes qui ont été faites et qui ont fait l'objet notamment pour la présentation des documents budgétaires d'annexes. Vous verrez qu'il y a eu des tableaux, des compléments d'informations qui ont été portés. Sur l'exécution des budgets, il y a également donc page 10 et 11, plusieurs annexes et de tableaux qui couvrent donc la question donc des planifications, donc des projets donc d'investissement, les plans pluriannuels d'investissement. À titre d'exemple, donc ont été pris les travaux d'extérieur de Port-Zarbayec qui ont été faits donc avec trois phases et qui sont donc sur deux ans, ainsi que les travaux du musée qui est le gros chantier donc de la mandature, avec là un plan pluriannuel d'investissement qui court de 2015 jusqu'à 2021, je crois. Voilà. Donc on a également travaillé sur les délais de paiement des factures. Vous l'avez noté, il y avait donc un certain nombre, donc d'abord sur à peu près 5000 factures, il y a un petit peu moins de 30% qui sont considérées comme étant réglées donc hors délai, donc avec des délais de paiement un petit peu tardifs. Les choses sont en cours de régularisation avec également l'informatisation donc de pas mal donc de ces procédures, donc on devrait gagner en délai. Quoi dire d'autre ?
un certain nombre de préconisations également étaient sur le budget annexe donc de l'Angolvas, qui demandait plutôt donc d'avoir un budget spécifique, un budget d'investissement propre pour bien identifier donc les recettes et les dépenses. C'est ce qui a été fait et c'est ce que vous retrouverez donc en page 29, le tableau donc avec un total budget de 252 000 euros. Il avait également été donc préconisé par la Chambre régionale donc des comptes de passer également en créance perte et profit en quelque sorte, donc les 390 520 qui représentaient donc les participations dans la société d'Angolvas qui a donc été mise en liquidation. Il y a également eu quelques constats sur la durée du travail. Donc vous avez également un tableau qui a été donc repris où on s'est intéressé donc au dispositif donc des droits à congés exceptionnels. Voilà. Tout ce rapport et toutes ces conclusions sont bien évidemment consultables. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a quand même énormément de choses à voir. Alors, juste peut-être quand même à noter, c'est que globalement, le rapport donc, de la Chambre donc, des comptes était positif, favorable donc, à la bonne gestion donc, de la ville, et avait également pointé le désendettement donc, de la ville, notamment avec une capacité d'épargne qui s'était donc rétablie à un petit peu plus de 3 millions, la baisse également donc, de l'endettement et surtout un ratio donc endettement par rapport donc, aux contribuables qui s'était donc amélioré d'une quarantaine de pourcents. Donc on est tombé d'un petit peu moins de 1 200 euros d'endettement par habitant à un tout petit peu plus de 700 euros, donc ce qui représentait un effort et une vraie réussite donc, dans la gestion. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Vermeaux. Oui, dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, on revenait aussi, et ça n'apparaît pas dans votre réponse, sur les charges de centralité. Et notamment, le rapport stipulait qu'un certain nombre d'équipements situés d'intérêt intercommunal. Il s'agissait notamment de la piscine, du théâtre, du parc des expositions de l'Angolvas, du musée de Morlaix. Le rapport continue ainsi. Si le transfert du parc de l'Angolvas à Morlaix Communauté est en cours, je crois qu'il ne l'est plus. La Chambre renouvelle la recommandation qu'elle avait déjà formulée à l'issue de son contrôle précédent de procéder au transfert des équipements structurants d'intérêt communautaire. J'aimerais savoir où nous en sommes sur cette recommandation de la Cour qui n'apparaît pas dans le rapport que vous lui fournissez à la Cour. Je ne sais pas si c'est Alain qui répond, moi, peu importe. Je vais te demander d'éteindre ton micro, alors, si tu veux bien. Éteindre ton micro. Pardon, non, je t'en prie. Sur ces recommandations, effectivement, que vous avez observées et insistées régulièrement, la réponse est finalement la même que la question, c'est-à-dire que sur la piscine, tout particulièrement, nous avons toujours dit que tant que la piscine, c'est-à-dire l'espace intercommunal, l'espace communautaire aquatique qui est en DSP et qui est régulièrement déficitaire, tant que nous n'aurions pas la garantie que ce déficit ne serait pas absorbé par l'intégration de la piscine communale qui entraînerait de facto sa suppression, tant que nous n'aurions pas des garanties là-dessus, nous n'envisagerions pas le transfert, pour la raison que nous avons expliquée d'ailleurs à la Chambre régionale des comptes, qui est que cette piscine est un outil social, c'est un outil de loisirs, c'est un outil sportif, c'est un outil qui n'a pas du tout la même vocation que l'espace intercommunal. Et par conséquent, nous préférerions absorber un déficit qui est tout relatif compte tenu de celui de l'espace intercommunal, l'espace aquatique, plutôt que de prendre le risque que de voir cet outil disparaître. Autrement dit, nous sommes ouverts à la négociation, ouverts à la discussion, mais en résumé, nous vivons, nous n'accepterons évidemment pas la disparition de cet outil. Pour ce qui est de l'Angolvas, vous avez effectivement évoqué une négociation qui a été entamée dans un premier temps, qui n'a pas abouti parce que, tout simplement, il y a eu une évaluation faite par les domaines concernant cet outil qui, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui ne connaissent pas les domaines, peut ne rien valoir du tout. Je me souviens
d'une certaine polémique à la suite d'un certain rassemblement où Christian Troidec avait indiqué que ça faisait bien cher pour un bout de tôle et un hangar. Il se trouve que c'est beaucoup plus que ça et tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'au vœu ont pu se rendre compte qu'on avait un outil évidemment performant, que tous ceux qui assistent également au comité d'entreprise, etc., etc. Bref, à l'activité du parc qui n'est pas seulement une activité de spectacle, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais dont l'essentiel d'ailleurs de l'activité est ailleurs. L'essentiel de l'activité se trouve plutôt dans une pratique de location de salles à des fins professionnelles, à des fins privées, à des fins associatives. Il y a un certain nombre de congrès, un certain nombre d'assises qui s'y tiennent. Eh bien, cet outil a donc une valeur. Et cette valeur ne doit pas ne pas être inscrite dans la négociation. C'est-à-dire que ce que nous devons inscrire dans la négociation, mais j'entends négociation au sens large du terme, c'est-à-dire dans la discussion, c'est à la fois la valeur évidemment marchande de l'outil, mais c'est également le projet qu'on peut en avoir. Et là-dessus, la discussion n'est pas fermée d'ailleurs, mais simplement nous ne sommes pas tombés d'accord sur un prix. En revanche, nous avons d'autres perspectives, puisque... on a pu rencontrer le soir des vœux d'ailleurs un interlocuteur qui est très présent sur le territoire mais qui ne connaissait pas bien l'outil et qui a proposé qu'on se rencontre pour évaluer ce qu'on pouvait en faire ensemble et je pense que c'est une des propositions qu'on retiendra même si d'ailleurs dans imaginons que cette discussion-là avec un potentiel partenaire aboutisse, il n'y a pas de raison de ne pas y intégrer la communauté. La question, elle n'est jamais d'être aussi clivante que vous voudriez le faire paraître, c'est-à-dire que ça n'est pas... tout seul contre tous et surtout pas avec la communauté. Si vous avez lu attentivement, et je suis sûre que vous l'avez fait, le rapport de la Chambre régionale des comptes, vous avez pu observer qu'il y a un certain nombre déjà de partenariats actifs avec la communauté. Bernard Guilcher, qui est à ma droite, a dû accumuler en quelques jours quelque chose comme 12 comités de pilotage dans un esprit tout à fait partenarial et constructif. Je ne dis pas que tous ces copiles servent à quelque chose, mais on peut espérer en tout cas que certains aboutissent et permettent de travailler ensemble. Pour ma part, j'étais ce matin encore sur un projet immobilier qui nous serait commun à la communauté et à la ville. Et qui d'ailleurs peut sembler en bonne voie. Enfin, je pense que, en tout cas, nous étions d'accord sur les objectifs à tenir et sur les modalités d'exécution. Donc, on peut imaginer que c'était plutôt positif. Donc, pour vous dire que c'est pas fermé, rien n'est jamais fermé. Il n'y a jamais cette volonté de faire sans ou l'obligation de faire avec. C'est pas binaire comme ça. Simplement, il y a à la fois les intérêts de la ville, les intérêts du territoire, le respect du projet de territoire qu'on entend bien. Je vous rappelle qu'on a voté nous aussi le projet de territoire et que nous avons même contribué à l'écriture du projet de territoire. Donc, c'est un projet de territoire auquel nous souscrivons. Simplement, tout ne peut pas se faire en une seule fois, d'un coup de baguette magique d'autre part. Et puis, il faut que les intérêts respectifs soient considérés à leur juste évaluation, à leur juste valeur. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. Alors, vous avez évoqué également le musée et le théâtre. Ce sont deux cas un peu différents. Puisque la compétence culture n'est pas une compétence communautaire, comme vous le savez. Nous avons gardé la compétence culture. Quand on garde une compétence, il faut bien avoir les outils pour l'exercer. Et les deux outils les plus emblématiques de l'exercice de cette compétence sont bien sûr le musée et le théâtre, même s'il y en a d'autres qu'on pourrait énumérer ici. Pour ce qui est du musée, la communauté est présente dans le projet musée à travers notamment le pays. Donc la contribution et le partenariat est bien effectif, il n'empêche que c'est le musée de Morlaix et qu'il n'y a pas à ne pas s'en réjouir particulièrement, y compris pour la communauté. Pour ce qui est du théâtre, c'est un petit peu la même chose. C'est un outil culturel majeur. Lorsqu'on regardait la presse, par exemple, ne serait-ce que ce matin, on voit bien, dernier spectacle, 650 personnes qui ont assisté à la dernière programmation. C'est un outil qui marche très très bien. J'aurais tendance à une morale un peu synthétique sans doute, mais néanmoins je ne crois pas caricaturale, qui est de dire quand quelque chose va bien, pourquoi voudriez-vous qu'on change ? En l'occurrence, le théâtre se débrouille très bien comme ça. L'association qui emporte la gestion par délégation donnée par la ville, puisque c'est un outil municipal et que nous en avons confié la gestion par délégation à une association,
Cette association s'en tire formidablement bien. La programmation est tout à fait exceptionnelle. La médiation scolaire est très ouverte à l'ensemble du territoire. Nous avons cette générosité-là. La communauté participe financièrement d'ailleurs à cette médiation scolaire, puisqu'elle donne une somme qui n'est pas négligeable pour permettre au théâtre de se produire hors les murs, ce qu'elle fait avec succès. Donc, je pense qu'on a assez de sujets épineux et un peu difficiles à affronter ensemble pour quand les choses vont bien, pour ne pas imaginer vouloir déconstruire ce qui va bien au motif qu'il y a un impératif qui serait un transfert. Vous savez, c'est la même histoire que la mutualisation. La mutualisation, la Cour régionale des comptes le souligne, on a beaucoup de choses mutualisées, beaucoup plus qu'on ne pense d'ailleurs avec la communauté. Mais pourquoi mutualiser à toute force au motif que serait le remède universel à tout ce qui ne va pas? Je ne suis pas sûre que ce soit non plus la bonne option ni la bonne optique. En tout cas, nous ne l'avons pas. Mais si ça peut vous rassurer, la discussion est toujours très riche et n'est jamais interrompue. Monsieur Dupont. Oui, je voulais intervenir sur la question du théâtre, sachant que je suis aussi membre au titre de l'opposition du conseil d'administration du théâtre. Au dernier conseil d'administration, Jean-Yves Gourvès, le directeur, a mis en avant le fait que le ratio entre le nombre de personnels qui sont employés au théâtre et le budget qui lui est alloué et la fréquentation du théâtre est donc extrêmement bon, puisque le théâtre affiche une des meilleures fréquentations de France, hein, de l'ordre, je crois que c'était de 87% de taux de remplissage. Mais il a ajouté en même temps que, du fait même, c'est là un peu la rançon du succès, le théâtre aborde prochainement et dès aujourd'hui d'ailleurs une forme de seuil critique où pour continuer à pouvoir se développer et continuer à pouvoir nourrir la qualité de la programmation, il faudrait envisager de pouvoir dédoubler les représentations. Actuellement, il y a beaucoup de représentations qui n'ont lieu qu'une seule fois, faute de budget suffisant, alors qu'il y aurait un public pour se rendre à deux représentations de la même pièce ou du même spectacle. Et pour pouvoir dédoubler les représentations, et ben il faut un budget supérieur. Donc il y a la question du principe d'un théâtre qui bénéficie à l'ensemble de la communauté d'agglomération et qui est quand même supporté essentiellement par la ville de Morlaix, qui connaît les difficultés économiques que l'on sait. Donc le poids du budget du théâtre dans le budget de la culture est extrêmement important. Il est aussi extrêmement important dans le budget de la ville. Donc il y a cette question de principe. Pourquoi ne pas mutualiser un équipement qui bénéficie à l'ensemble de la communauté d'agglomération et je dirais même plus à l'ensemble du pays de Morlaix, puisqu'il y a des gens qui viennent de la région de Saint-Paul-de-Léon, du Léon. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a aussi la question, si on veut continuer à faire monter en régime ce théâtre, si on veut que quelque part il tire tout le bénéfice des efforts qui ont été faits en termes de d'animation culturelle, d'animation pédagogique, et si on veut continuer aussi à pouvoir motiver des troupes de qualité pour venir se produire au théâtre, il faudrait envisager aussi une montée en puissance du budget, puisque là il y a énormément d'efforts de travail qui reposent sur un nombre limité de personnel, et il y a des comparatifs qui nous ont été donnés par exemple avec l'équipement de Lannion et l'équipement de Redon qui montrent que on atteint quand même une forme de seuil de saturation pour le personnel. Il faudrait pas non plus le mettre en surménage. Donc la question d'une augmentation du budget du théâtre se pose quant à la programmation culturelle, et dans la mesure où cette question se pose, la question d'un transfert de la compétence à Morlaix Communauté sans changer
aux lignes directrices de la programmation qui ont fait leurs preuves, et ça on le reconnaît volontiers. Cette question se pose et ne doit pas être balayée d'un revers de main, simplement au motif que ça serait le maillon essentiel de la compétence culture qui revient à Morlaix. Tout ça, ça peut évoluer, et c'est vrai qu'on est dans des contraintes aussi budgétaires, financières et culturelles qui peuvent permettre de se pencher sérieusement sur cette question-là. Je ne pense pas qu'il y ait une objection, en tout cas, de la part des acteurs culturels et de la direction du théâtre elle-même. Merci. On va vous faire une réponse à deux voix, Georges. Donc, je me félicite de ce que Ismaël, comme les autres membres d'opposition, salue la qualité de la programmation au Théâtre de Morlaix depuis 2009-2010 notamment, avec les changements qui sont intervenus à l'époque et qui ont permis effectivement de faire passer le taux d'occupation du théâtre de 35% en 2008 à 87-88% à la saison écoulée. Concernant les finances, il ne faut pas oublier, Ismaël est effectivement au conseil d'administration, qu'une demande d'augmentation de la subvention versée par la communauté avait été demandée par l'association de gestion du théâtre, et que pour des motifs budgétaires qui sont aussi quelque part les mêmes que ceux qu'on invoque à Morlaix comme d'autres collectivités, il n'y a pas eu d'augmentation de la subvention dans les communautés. Donc le théâtre soit morlaisien ou pas morlaisien, ça ne changerait rien à la donne financière du côté de la communauté. Pour compléter ce que dit Georges, je pense, M. Dupont, que vous faites une confusion ou en tout cas une maladresse d'expression peut-être simplement. Vous dites compte tenu des difficultés économiques. Ne confondez pas difficultés économiques et difficultés budgétaires. En l'occurrence, la ville de Morlaix n'est pas dans la difficulté budgétaire. Si on doit juger de la difficulté budgétaire d'une collectivité à la hausse de ses impôts, on peut considérer que c'est la communauté qui est en difficulté budgétaire et pas la ville, puisque nous baissons les impôts. Donc je crois que imaginer que le transfert à la communauté permettrait d'avoir une aisance financière que nous n'avons pas actuellement et que l'association n'a pas, c'est une erreur d'analyse et d'interprétation, ou alors c'est vraiment une opinion. Et dans ce cas-là, ce n'est plus une analyse objective. Georges vient de le dire, la subvention devant les communautés n'a pas augmenté, donc ça ne change pas grand-chose à l'affaire. En revanche, puisque nous avons la chance d'avoir un conseiller départemental dans ce conseil municipal, en la personne de M. Vermont, je pense que la question, elle s'adresserait plutôt aux autres partenaires, puisque nous savons, si vous êtes administrateur et vous l'êtes du théâtre, de l'association de gestion du théâtre, vous savez que la politique départementale telle que présentée actuellement en matière culturelle en général et concernant les équipements culturels en particulier, et tout particulièrement les équipements culturels qui ne sont pas ceux des grandes villes, c'est-à-dire Brest, Quimper, voient leur budget diminuer et revu vraiment à la baisse. C'est même très inquiétant de ce point de vue, et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, Monsieur Vermeau, c'est certainement pas, c'est pas du tout un guet-apens, mais simplement, je pense que l'interrogation et la bataille, si nous devons mener une bataille tous ensemble, c'est celle-là. C'est d'aller voir les partenaires, puisque nous savons que nous avons ce qu'il faut au théâtre actuellement pour être conventionné scène de territoire, et que cela, ça demande évidemment une reconnaissance du partenariat financier avec des collectivités comme la région et comme le département. Il ne me semble pas que nous ayons, nous, majorité, les armes politiques pour appuyer ces demandes. En revanche, certains d'entre vous peuvent les avoir. Et je pense en effet que s'il y a un dossier que le conseiller départemental du canton de Morlaix, parmi d'autres, doit porter, en tout cas du point de vue culturel, c'est bien celui-là. Parce que pour ce qui est de la communauté, on a parfaitement conscience que le personnel est vraiment tendu. Il y a beaucoup de bénévoles, d'ailleurs, dont il faut saluer vraiment l'engagement et l'implication sans faille. Mais en l'occurrence, ça n'est certainement pas, compte tenu de tout ce qu'on vient de vous dire, que c'est certainement pas du côté de la communauté qu'il faudrait trouver de l'argent supplémentaire. Monsieur Vermont. Merci, Madame le maire, de vos beaux conseils. Cela me permet de rappeler que le contrat de territoire du département signé avec sur Morlaix Communauté, sur le pays de Morlaix, est le deuxième du territoire. Donc c'est vrai que là, il y a un investissement massif du département et qu'au premier titre des
les équipements de la ville sont concernés par des montants qui sont parmi les premiers du département. Si on compte, je vais prendre un exemple, hein, le million d'euros par exemple acquis sur le musée de Morlaix, ce qui est exactement la même participation qu'a eu le département sur le musée de Pont-Aven. Donc cela me permet de dire tout l'attention qu'a le département encore sur bien d'autres sujets par rapport à notre territoire. Sur la piscine, le président Fichet s'est exprimé publiquement sur la piscine. Il a dit que dans le cadre de la mutualisation, notamment des trois piscines, puisqu'il incluait également la piscine de Pugnot, qui est un autre équipement majeur hein, en termes de piscine, nous sommes extrêmement bien dotés hein, en équipement aquatique sur le territoire. Il n'était absolument pas question hein, d'imaginer une quelconque fermeture de la piscine de la Boissière qui répond, comme vous l'avez dit, à des fonctions extrêmement spécifiques et notamment sur le quartier, mais qu'il s'agissait bien là de mener une réflexion sur des économies de gestion de ces trois équipements dans le cadre de leur mutualisation. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à continuer ces discussions. En tout cas, je crois que vous l'avez dit, ça discute, mais j'espère que nous passerons bientôt du stade de la discussion à des transferts qui permettront que l'assiette des futures dépenses, parce qu'il faut aussi penser au futur, hein, vous disiez le théâtre va bien, il y a peut-être des dépenses qui vont arriver dans les années qui viennent dont nous n'avons pas encore connaissance, les équipements peuvent vieillir, les équipements peuvent être confrontés à des problématiques structurelles, ne serait-ce que sur le bâti. Je crois que pour prévoir l'avenir, il serait judicieux en tout cas de mener jusqu'au bout ces discussions avec la communauté sur le transfert de ces équipements. Merci. Sur la piscine, je répète, pardon de me répéter, mais je répète que tant que nous n'avons pas la preuve évidente qu'une gestion de trois équipements serait plus économe que la gestion d'un équipement déficitaire et d'un équipement dont nous nous arrangeons très bien, je parle sous le contrôle de Charlotte Julie, il n'y a aucune raison de défaire ce qui va bien. En revanche, j'aurais aimé avoir votre réponse sur le théâtre. Ah oui. Vous connaissez les circuits des collectivités. Je suis certes un de l'élu départemental de Morlaix, hein, mais qu'il y a une vice-présidente à la culture et que je n'engagerai pas ce soir au conseil municipal la parole du département sans avoir fait le nécessaire pour travailler à ce qu'un dossier puisse être ficelé. Mais je vous ai bien entendu, Madame le maire. Je suis toujours attentif à vos conseils. Ce n'était pas un conseil, c'était pas du tout un conseil. Je ne me permettrai pas de donner des conseils, mais je faisais simplement observer que du point de vue du partenaire conseil départemental, partenaire du théâtre, l'avenir s'assombrissait et que nous comptions sur vous pour porter ce dossier qui, tout le monde s'en accorde ici autour de ce conseil municipal, mérite très largement qu'on s'y attache autant qu'à d'autres qui ont des moyens que nous n'avons pas et surtout qui touchent un public qui n'est pas le public des grandes villes. Et c'est ça qui est intéressant, et Ismaël Dupont le soulignait, on a un public qui va au-delà du pays, parce qu'on a des spectateurs qui viennent de très loin. Donc c'est vrai que ce serait bien que vous soyez extrêmement attentif à ce dossier théâtre. Mais je sais que vous le saurez, je vous en remercie d'avance. Mais cela me permet de faire un tout petit point sur l'actualité. Vous n'êtes pas sans connaître que le bloc communal a vu son effort amoindri dans le cadre de la baisse des dotations de l'État, et que malheureusement le département n'a pas pu bénéficier de cet effort dans le cadre de ces dotations, ce qui fait qu'à l'heure actuelle sont les départements qui portent, en tout cas pour l'année 2017, pas loin de la moitié, exactement 42% de l'effort qui est demandé aux collectivités dans le cadre de la réduction des dépenses. Donc juste pour dire que le département n'est pas à l'heure actuelle peut-être l'interlocuteur le plus mieux traité en termes de dotation dans le cadre de son aisance budgétaire. Il faudra en... S'il n'y a pas d'autres interventions, on prend acte de ce rapport et nous passons à la délibération suivante qui est quoi ? Donc c'est Bernard Guilcher sur le CIVOM. La délibération se trouve page 58.
Oui, compte tenu du transfert eau et assainissement vers Morlaix-Communauté, il s'est trouvé intéressant de faire un dépoussiérage des statuts du CIVOM. Donc, depuis le mois de décembre, le comité s'est réuni, a nettoyé ces statuts. Et donc, aujourd'hui, nous vous demandons de prendre acte pour la modification donc, de l'ensemble de ces statuts. Pardon, il n'y a pas de remarque, je vous remercie. Juste, je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que vous avez... Monsieur Cloarec, pardon. Sur cette délibération, vous m'autorisez à juste revenir en arrière avant de vous donner la parole. Vous avez trouvé une délibération sur votre table qui est juste, voilà, qui est juste une délibération qui est... Enfin, ce n'est pas une délibération, c'est un tableau qui a intégré à la délibération précédente parce qu'il y avait une coquille sur les congés exceptionnels. Donc c'est simplement le véritable tableau qui était sur table. Monsieur Cloarec, je vous donne la parole sur le CIVOM. Pour revenir bien sûr sur le transfert de compétences qui, à notre avis partagé aussi, a été mené à marche forcée. Malheureusement, il manque dans la rubrique disposition financière, la répartition des recettes, puisque on sait très bien que la compétence eau et assainissement donc est transférée à Morlaix-Communauté. Le CIVOM se retrouve dans une situation, congrue avec simplement les eaux pluviales et la défense contre l'incendie. Mais bien sûr, on énumère l'ensemble des ressources du CIVOM, mais on ne précise pas la clé de répartition. La clé de répartition, elle est comme d'habitude, hein, comme il a été défini depuis de nombreuses années, c'est en gros 75-25, 75% Morlaix, 25% Saint-Martin. Non, je me permets de revenir. Je comprends bien, mais c'est du fait que le transfert donc soit effectif à partir du 1er janvier donc au titre de Morlaix-Communauté, il va de soi que les ressources sont également, enfin connaissent pour une part un transfert. Le CIVOM ne peut pas maintenir son fonctionnement tel qu'il était antérieurement avec la perception des recettes communales. Vous avez dans le dossier les recettes de la zone de Guérivain et les recettes des deux communes, les versements des deux communes. C'est bon ? Pardon. Mais ce qui n'est pas... Je vous laissais réfléchir parce vous avez complètement raison. C'est sur le premier point, c'est vraiment à marche forcée et c'est vraiment... on ne va pas revenir là-dessus, mais nous étions tout à fait opposés et ce n'était pas une opposition de principe. Mais nous étions très opposés à ce que l'on pouvait faire tranquillement jusqu'au 1er janvier 2020 soit fait à marche forcée au 1er janvier 2017. D'ailleurs, on n'en mesure pas encore toutes les conséquences, mais à n'en pas douter, les conséquences se feront au détriment de l'usager. Ça, c'est tout à fait clair et c'est tout à fait dommage. Et le deuxième point, c'est que du coup, c'est un sac de nœuds parce que quand on veut aller trop vite, on ne mesure pas toutes les conséquences. Et en l'occurrence, notamment, je peut-être à ça que vous pensez, mais je vais vous le dire si vous n'y pensez pas, parce que comme ça, vous allez y penser. Concernant les excédents, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, puisque la question est de savoir si ces excédents restent à la commune, puisque le CIVOM n'est qu'une passerelle, n'est qu'une boîte aux lettres d'une certaine façon, ou est-ce que les excédents doivent être reversés à la communauté d'agglomération qui reprend la compétence. Pourquoi je dis que c'est un sac de nœuds? Parce que nous avons des points de vue divergents et des analyses divergentes. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas j'ai envie de les donner ou j'ai pas envie de les donner. C'est que doit-on faire légalement et en l'occurrence... La loi NOTRe étant ainsi écrite, je ne vais pas y revenir pour ne pas être désagréable, mais quand même, c'est ainsi écrit que là aussi, même un juriste a du mal à s'y retrouver. Donc nous sommes actuellement en cours d'examen
de ce que légalement nous pouvons ou devons faire. Certaines communes, d'ailleurs, ayant déjà pris des délibérations pour conserver ces excédents. Ce qui est sûr, c'est que nous ne laisserons pas partir des sommes importantes au détriment de l'usager et du contribuable morlésien. C'est tout à fait clair. Nous ne sommes pas là pour se remplir les poches, mais nous sommes là pour défendre les intérêts des administrés qui nous ont confié par délégation le pouvoir d'exercer le contrôle de la gestion de cette ville, entre autres. Par conséquent, nous ferons exactement ce que la loi nous permet de faire et nous autorise à faire, mais nous ne serons pas le petit doigt sur la couture en faisant un chèque en blanc et surtout pas un chèque de 500 000 euros. Donc c'est parfaitement clair et dans notre tête et dans notre façon de fonctionner. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de crispation. Il y a juste que doit s'exercer le droit, la loi, et si nous avons la possibilité de ne pas reverser ces excédents, nous ne reverserons pas ces excédents qui sont dus aux usagers. Monsieur Vermont ? Mais la question, on parle bien des excédents du CIBOM, qui sont créés sur le CIBOM, donc sur l'eau. Le CIVOM n'est en réalité qu'une boîte aux lettres. À quoi donc cet argent doit être affecté à l'eau? C'est une règle juridique de base qui n'a pas été modifiée par la loi NOTRe. L'eau finance l'eau. Détrompez-vous, c'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Les excédents. Non. Les excédents, on ne va pas faire un débat sur les excédents, mais les excédents ne basculent pas systématiquement sur la collectivité qui bénéficient du transfert. C'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'un excédent, comme son nom l'indique, c'est d'abord pas un fonds de roulement et c'est pas non plus, c'est pas de la recette, c'est un excédent. Donc cet excédent, c'est un petit peu, si vous voulez, la différence qu'on peut faire entre l'usager et le contribuable. Donc tout ça est en cours pour vous répondre, Monsieur Cloirec. Et en tout cas, notre ligne, c'est de veiller, encore une fois, sans agressivité, sans quoi que ce soit de cette nature-là, mais veiller à ce que l'argent soit bien affecté là où il doit l'être. Et c'est pas le CIVOM qui décide, ce sont les deux communes qui décident. Je vous dire que juridiquement, on peut dissocier la position des deux communes constitutives du syndicat. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que si les excédents n'étaient pas reversés dans le cadre des présentations qu'on nous a faites, C'est quelque part un peu tuer le transfert, puisque sans les excédents du transfert, il y a un PPI. Oui, Monsieur Vermont, je vais vous répondre clairement. Il y a des engagements qui sont prévus Monsieur pour Vermont. Financer l'ensemble des PPI et notamment ceux du CIVOM. Moi, je suis un peu inquiet du débat qu'on a là en ce moment. Alors, je vais vous répondre très clairement. L'inquiétude, elle n'est pas là où elle s'exerce pour vous. L'inquiétude, elle était de départ. De faire trop vite les transferts sans en mesurer les conséquences. C'est la différence entre avoir de l'appétit et être goinfre. Quand on a de l'appétit, on mange. Quand on est goinfre, on ne mesure pas la taille de son estomac. C'est tout le problème. Et sa capacité à digérer. Et attendez, je termine si vous voulez bien. En l'occurrence, c'est trop facile. Vous posez un postulat qui n'est même pas vérifié juridiquement, dont vous ne connaissez même pas la validité juridique, et ensuite vous criez au loup en disant « Ah ben si j'avais su, j'aurais pas venu ». Parce que finalement, ce qu'on avait prévu de récupérer, on va pas le récupérer. Bah oui, mais sauf mon gars, il fallait y penser avant. Je résume un tout petit peu, pardon. Je voulais juste intervenir sur les moyens du CIVOM, puisque... si je ne me trompe, la totalité du personnel du CIVOM actuel est transférée. Et donc, on sait très bien qu'en 2020, la fusion sera effective, elle sera complète. Donc, on est dans une situation transitoire où le CIVOM va s'occuper, entre guillemets, de tâches résiduelles, hein, entre guillemets. Je dis entre guillemets. Je comprends bien que le problème, par exemple, des investissements nécessaires pour les réservoirs d'orage, etc., ça va être compliqué à financer. Mais là, je m'interroge sur le fait des participations communales. Parce que est-ce que le souci, hein, c'est de savoir si le CIVOM va garder
malgré tout, pendant ces trois dernières années, un budget suffisant pour remplir correctement ses tâches. C'est un peu l'erreur qui a été faite, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais lorsque vous avez en zone urbaine comparé à une zone rurale, la tuyauterie des eaux pluviales, c'est presque autant que l'assainissement. Alors vous voyez le travail qu'il y a à faire, mais Morlaix Communauté, je pense, participera à ce genre de choses. Sur les excédents, permettez-moi. La situation n'aurait pas bougé, il ne nous serait jamais venu à l'esprit d'aller chercher les excédents du CIVOM. Il serait bien resté au CIVOM pour financer les investissements du CIVOM. Je trouve effectivement étonnant de considérer qu'à l'occasion du transfert, ces excédents qui sont bien ceux du CIVOM pourraient devenir ceux du budget de la municipalité et ne pas continuer à financer l'eau. Monsieur Vermeau, si sympathique, présenté comme ça, sauf que c'est pas ça la vérité. La vérité que la loi, ce n'est pas ça. Je vous invite à la lire en détail. Et puis, si on veut pousser plus loin, personne n'aurait imaginé non plus qu'un jour, l'eau la moins chère du territoire puisse augmenter de 6 euros le mètre cube. Donc là, si on fait des projections... Je vous propose qu'on ne poursuive pas ce débat, mais je vous invite néanmoins à vraiment vous y intéresser, parce que d'abord, c'est intéressant et c'est vraiment, on est au cœur de nos missions, puisque l'eau est vraiment un service essentiel rendu à la population, mais dans quelles conditions, par qui, pourquoi et comment, ce sont vraiment des questions auxquelles nous aurions aimé avoir du temps pour pouvoir y répondre d'ici 2020. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Vous me connaissez, je ne vais pas manquer de lire exhaustivement ce qui concerne la loi, concernant le sujet, mais vraiment, moi, je voulais intervenir sur le principe. Et vous parlez de l'augmentation de l'eau. Je crois que le CIVOM a effectivement, avant de se dissoudre, voté une augmentation de l'eau avant même la mutualisation du service, non ? Rien à voir. Monsieur Vermeau, alors là, l'histoire, on peut en débattre toute la soirée, mais je peux vous assurer que si un syndicat a fait aussi bien que le syndicat du CIVOM depuis 10 ans, eh bien, trouvez-le-moi. Et puis on pourrait aussi ajouter, c'est assez curieux quand même, que comme par hasard on veut transférer au 1er janvier 2017, comme par hasard 2017 est une année importante, comme par hasard on constate que tous les personnels des autres syndicats restent dans les communes et que juste le CIVOM est dissous. Donc on peut aussi développer et y voir des intentions qui seraient probablement source de débats qui ne se termineraient pas nécessairement bien. On a de la chance, on a un candidat à la présidentielle ici même dans la salle. Si on fait la présidentielle autour du CIVOM, c'est que nous risquons d'avoir un Morlaisien malheureusement endormi pour l'instant. Laissez-le dormir mais tranquillement. Mais qui portera peut-être très haut le débat que nous avons sur le CIVOM. Monsieur Vermeau, on n'interrompt pas les gens qui dorment. Monsieur Marlène Tilly, s'il vous plaît. La ville de Morlaix a lancé une consultation par voie de marché public pour la réalisation des études et diagnostics techniques nécessaires à la réhabilitation du musée. Le marché, pour un montant de 17 176,80 € a été notifié le 1er juin 2016. Le délai plafond de réalisation et de rendu des prestations était contractuellement fixé au 30 septembre 2016. Le délai de livraison étant expiré et dépassé, des pénalités de retard ont été calculées conformément aux dispositions du marché public, pour un montant de 2 700 €. L'application des pénalités de retard n'étant pas optionnelle, le pouvoir adjudicateur les a donc appliquées. Cependant, l'intervention de la société Fondasol, à la demande de la ville de Morlaix, a été interrompue en raison des nuisances trop importantes causées par les machines de sondage durant la période estivale. Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de renoncer, partiellement ou totalement, aux pénalités de retard dues par l'entreprise. Compte tenu du fait que l'entreprise a été empêchée dans l'organisation et l'intervention de sa prestation, à la demande de la ville, il est proposé d'accorder à l'entreprise Fondasol une reprise des pénalités appliquées. Pas d'opposition, Monsieur Clarec, pardon. Oui, ça n'est pas une remarque sur cette délibération, elle concerne les deux qui sont présentés au Conseil. En fait, je trouve dommageable que notre collègue Jean-Paul Vermeau, qui est membre de la commission d'appel d'offres,
donc ne puisse, bien sûr pour des raisons bien là électives, être disponible le lundi. Et donc, il n'est pas à ce jour remplacé dans les commissions d'appel d'offres. Alors, le problème, c'est que l'on nous fait délibérer sur des questions, simplement pour des, on va dire, des remises de pénalités ou des annulations de poursuites, etc., alors que nous n'avons même pas connaissance du marché qui a été passé. Donc, je trouve ça un petit peu dommageable. Monsieur Vermont. Oui, oui, la question, c'est que souvent, la CAO se réunit le lundi après-midi, et comme aujourd'hui, j'étais mobilisé au département, et nous avions prévu d'avoir un suppléant plus disponible en la personne de M. Guédard, hein, mais qu'il avait semblé difficile de refaire une délibération. Mais nous permettons de revenir sur le sujet pour que nous puissions avoir une délibération en ce centre qui permette aux membres de l'opposition d'être présents. Et nous avons effectivement choisi la personne d'Hervé Guédard qui est disponible sur les journées et les horaires de CAO. Donc nous nous permettons de vous redemander de prévoir la nomination d'un suppléant. Oui, j'entends tout à fait. Alors je ne sais pas ce qui bloque, je suppose que c'est administratif, mais on va regarder ça de très près. Enfin, je suppose que c'est la réponse. On va vous apporter une réponse là-dessus. L'autre solution serait que ça n'ait pas systématiquement lieu le lundi, ça peut être ça aussi. Dans ce cas-là, d'accord. Ok, d'accord. Donc, on va regarder, on va vous apporter une réponse. Donc, pas d'abstention, pas d'opposition. La deuxième délibération, Bernard Guilcher. Oui, je vais faire bref. C'est l'achat de véhicules d'occasion. En fait, il s'est trouvé un concours de circonstances. Nous avions commander un véhicule d'occasion. Le temps que les documents administratifs se fassent, le véhicule a été revendu. Dans le dossier, bien sûr, le délai étant trop court, dans le dossier, en fait, il y a une ligne de pénalité et le garagiste demande à ce qu'on lève cette pénalité dans la mesure où la difficulté, c'est d'attendre que la ville de Morlaix se décide à faire l'achat. Donc, il nous a proposé un deuxième véhicule, mais le deuxième véhicule n'a pas pu être acheté dans la mesure où, administrativement, nous ne pouvons pas le faire. Donc, si les termes de cette délibération vous agréent, il est proposé d'approuver le principe de remise de pénalité appliquée et de prononcer l'exonération totale et le remboursement de la pénalité. Pas d'abstention, pas d'opposition. La délibération suivante est tombée parce que les pourparlers ne sont pas encore achevés. Donc la... Ah, pardon. Donc Marlène Tilly. Non. Ah, pardon. Bernard Guilcher. Oui, on a déjà parlé de ce sujet. Donc, pour une explication rapide, lorsque nous avons créé le groupement de une convention pour le groupement de commandes pour la réalisation d'une étude de marché sur la réhabilitation de la gare, du quartier de la gare, nous étions avec la Morlaix Communauté et Saint-Martin-des-Champs en groupement. Nous avons lancé le marché avec Alphaville. Et puis, dans ce marché, il nous manquait la liaison Villot de Villebasse. Effectivement, il y a eu un temps mort. Il y a eu un temps mort qui, avec un événement ennuyeux, c'est que le PDG de Alphaville est décédé, ce qui a laissé un temps passer. Puis, nous sommes trouvés devant une convocation de la ville de Saint-Martin pour une réunion sur le quartier gare, et ce jour-là on s'est aperçu que Alphaville et Saint-Martin travaillaient en coopération sans avoir prévenu la ville de Morlaix qui était la coordinatrice du sujet. Donc partant de là, on a considéré que nous abandonnions notre groupement. Et ce jour même, nous prenions la décision de continuer avec le PFR sur le triangle Gambetta. Ce que nous avons fait, et aujourd'hui on peut considérer que l'ensemble du quartier est à disposition de la ville de Morlaix, puisque nous continuons à travailler avec des promoteurs éventuels, si bien que notre délibération d'aujourd'hui nous permet de nous séparer totalement du groupement. Merci.
Monsieur Vermeau, Monsieur Cloirec ensuite. Nous, vraiment, notre position, hein, c'est de considérer que le pôle gare, certes, est d'intérêt morlaisien, mais au-delà d'intérêt communautaire. Et que ça m'a fait penser un peu au Brexit, au Morlexit du groupement, et qu'on trouve vraiment dommageable qu'il y ait un Morlexit du groupement, alors que l'enjeu est tellement grand. Hein, alors je comprends la position de Bernard qui effectivement peut légitimement se dire mais zut, ça avance d'un côté, alors que nous sommes nous-mêmes tête de pont du groupement, nous ne sommes même pas au courant de l'avancée, mais vraiment, hein, je nous inviterais, je dis nous, hein, à quand même continuer malgré cette difficulté, hein, à travailler de concert en commun. Tout le travail qui est fait sur l'étude sur la liaison mécanique ville haute, ville basse, elle est menée par Morlaix Communauté. Il y a une partie du quartier de Saint-Martin qui est quasi prêt en termes d'aménagement sur les plans qu'on a pu voir dans la presse. Donc moi vraiment, hein, j'invite à peut-être que nous prenions un peu sur nous, mais continuer absolument le travail en commun. Alors vous pouvez me dire, ça prendra peut-être, ça continuera, vous continuerez bien évidemment à travailler avec Saint-Martin et la communauté en dehors même de ce groupement, quoi. Mais je trouve toutefois extrêmement dommage que nous ne puissions pas continuer à travailler ensemble sur ces sujets qui font partie des enjeux absolument majeurs de l'avenir de notre communauté, avec bientôt l'arrivée de la LGV, malgré les mauvaises surprises des horaires de la SNCF. On en parlera tout à l'heure, j'avais l'intention justement de les projeter pour qu'on puisse les commenter. Je ne serai pas aussi sévère que vous, compte tenu du point de départ. Le point d'arrivée n'est pas si négatif que cela. Là-dessus, on peut entendre, c'est toujours dommage de partir, mais c'est vraiment pas Achille qui se retire sous sa tente. C'est pas la question de claquer la porte et c'est pas la question de dire si c'est comme ça, on arrête de respirer et puis on est fâché. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut en effet aller vite, aller de façon cohérente, de façon coordonnée, et vous l'avez souligné vous-même, ça n'empêche pas la coopération active avec la communauté et avec Saint-Martin. Ça n'empêche rien. Mais il apparaît qu'en l'occurrence, on va plus vite en se détachant de ce groupement. Ça ne veut pas dire lui tourner le dos. Ça ne veut pas dire ne pas prendre en considération ce qui est fait, notamment l'aménagement de Saint-Martin. Donc ça ne signifie pas qu'il y aura contradiction entre les uns et les autres, ça signifie que chacun aura son rythme et qu'on comptera sans doute à l'arrivée qui est allé plus vite, qui est allé moins vite, qui est resté en plan. Et tel que les choses se font actuellement, manifestement, on ne fait pas partie de ceux qui restent en plan et personne ne reste en plan. Donc, c'est pas pénalisant et d'ailleurs, c'est même un peu. Ça amène une certaine réflexion parce qu'on finit par se dire, puisque ça n'est pas pénalisant de se retirer du groupement, on peut se demander au final si le groupement allait aussi vite et aussi loin et aussi fort que ce pourquoi il avait été constitué. Mais j'entends, hein, votre. C'est pas de notre volonté en réalité, c'est juste un constat. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus, Monsieur Cloirec, pardon. Oui, je voulais revenir sur l'étude d'Alphaville, donc qui a été achevée en 2014. Donc, enfin, le groupement, hein, avec Alphaville, la SAFI, etc., d'autres intervenants. Donc, qui donnait une image globale de l'aménagement du quartier en matière de logement, en matière de commerce, en matière de services. Bien sûr, il manquait des choses, des éléments dans ce dossier, tout ce qui était circulation, tout ce qui concernait l'échéancier, etc. Par contre, là où je trouve assez contradictoire cette délibération qu'on nous propose, c'est que le 17 octobre dernier, nous avons voté donc un avenant donc au contrat d'association entre les différents partenaires pour demander une extension du périmètre d'étude donc sur le quartier de la gare, hein, donc faire en sorte que la zone concernée par les acquisitions par l'établissement public foncier régional soit plus importante et qu'il y ait des moyens financiers supplémentaires accordés pour terminer les acquisitions. Et en fait, vous aviez déjà dénoncé
cette alliance, alliance groupement, le 26 septembre précédent. Ça veut dire qu'à 17 jours, enfin, ou un petit peu plus, 20 jours de différence, on nous fait voter une option comme par laquelle donc, on pense que tout le quartier de la gare va être concerné par une vision globale effective. Et puis, vous avez déjà dénoncé cette alliance. Alors là, je suis assez perplexe parce que on va nous proposer ce soir une autre délibération sur l'acquisition donc de 5 maisons, hein, donc avec anciennement, enfin c'est Enedis, etc. Et sur le budget propre de la ville, ça va représenter une somme de 380 000 euros. Donc, bien sûr, il n'y a pas de portage. Bien sûr, la ville a financé cette opération, mais je doute sur la cohérence de l'ensemble. Monsieur Guilcher ? Alors, je vais quand même vous éclaircir. Le PFR nous va donner 1,5 million. Sur ce 1,5 million, il nous manquait 500 000 pour acheter deux appartements. Par contre, il manquait presque 1 million à Saint-Martin. Si bien que la séparation n'a rien à voir. Le PFR, ce jour-là, a dit, donc pour Morlaix, on s'arrête sur le triangle. Par contre, pour les maisons ICF, on vous laisse les négocier vous-même. Nous avons lancé les négociations sur ICF nous-mêmes. Le PFR ne nous finançait pas. Voilà la vérité. Bien. Monsieur Vermont. Non, mais je crois qu'on en a déjà parlé en commission urbanisme. Les seuls éléments qu'on a pu voir, c'était justement dans les travaux menés en tête de pont avec la tête de pont Alphaville sur les projets d'aménagement. On a vu des choses qui ont été abandonnées, les bureaux sur pilotis ou l'équipement sur pilotis et consorts. Mais ce que l'on n'a pas et que l'on réclame depuis maintenant quelques mois, c'est quel est le projet d'aménagement, un peu globalement. Et c'est vrai que là-dessus, on pêche. On pêche et qu'on a besoin pour éclairer pourquoi on achète Rol-Tanguy, où est-ce qu'on va faire du logement. On a entendu parler effectivement que le projet, il est judicieux d'avoir un point brasserie ou restaurant sur la gare. Mais ce que l'on ne voit pas et ce qui n'est pas posé sur papier, c'est la réflexion, le projet et les étapes du projet. Là-dessus, je pense que ça éclaircirait beaucoup des questions qu'on peut se poser. Et qu'effectivement, on peut se dire qu'avec les arrêts d'études en 2014, il serait temps de poser ces éléments de projet et de programme. Et de financement qui vont avec. Vous avez raison, et pas tort d'ailleurs, mais vous avez raison et tort à la fois. Non mais j'allais dire vous avez raison et tort à la fois, et l'expression est un peu facile. Vous avez raison parce qu'on est tous évidemment en attente de ne serait-ce que d'une perspective d'artiste pour avoir une petite idée de ce que sera ce quartier. Vous parliez de Saint-Martin. Notez que l'aménagement proposé par Alphaville pour Saint-Martin s'est fait au moment de l'acquisition. Je veux dire que il n'y a pas de de rythme plus rapide de leur part. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de lots sur lesquels on avait des incertitudes quant à la possibilité de les acquérir. Il y avait notamment ce qu'on appelle l'immeuble Bozélec, sur lesquels il y avait beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'il doit être détruit? De la même façon, le bâtiment qui est à la droite du café de l'Atlantique, vous savez, ce grand bâtiment, c'est aussi une négociation. Il y a beaucoup de choses à mener de front. Moi, je vais vous dire ce que je pense sincèrement de cette affaire. Je pense sincèrement de cette affaire que nous avons trop attendu, et c'est aussi pour ça que nous nous sommes dégagés du groupement, nous avons trop attendu d'Alphaville. C'est-à-dire que vous parliez de ce que vous aviez vu, M. Cloarec. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'était sacrément sommaire. À part nous dire qu'il fallait à la fois du logement, à la fois de l'équipement structurel,
à la fois du service, d'accord, mais est-ce qu'il y a besoin d'être grand clerc pour savoir ça? Je ne suis pas sûre, il suffit d'être sorti d'une gare une seule fois dans sa vie pour savoir qu'en général, on trouve cette complémentarité-là. Donc ce que nous attendions, nous, à l'époque d'Alphaville, c'était beaucoup plus que cela. C'était une vraie proposition d'aménagement. Le résultat, c'est la proposition qui a été faite, elle tenait en deux temps forts, si on veut, enfin en un temps fort et en une interrogation, qui a fait d'ailleurs que la discussion après a été un peu difficile, même si elle a été brutalement interrompue par l'événement tragique qu'a évoqué Bernard Guilcher tout à l'heure. Le premier événement fort, c'était une traversante, dans la vue d'artiste, vous l'avez vu, hein, une traversante où, ça, ok, d'accord, pourquoi pas, mais ça se réfléchit. Je veux dire que c'est facile dans son cabinet de faire un schéma en disant ce serait super, on détruit tout, on traverse. Au milieu de tout ça, il y a des gens qui ont des biens dont ils sont propriétaires, sur lesquels ils ont fait des aménagements et des investissements importants, et qui tout d'un coup viennent vous voir en vous disant « Mais moi, je fais quoi là? Je continue à investir? Je refais mon toit ou je déménage tout de suite ?» Donc, c'est une vraie problématique. Enfin, il y a effectivement cette vue d'ensemble, et là-dessus, nous n'avions pas de proposition d'Alphaville. Et l'interrogation, qui a quand même... pardon de dire ça comme ça, mais qui m'a refroidi, si on veut, c'est que ça s'est arrêté au moment où, quand on parlait de la liaison ville haute-ville basse, Alphaville nous a dit ben « Nous, on ne peut pas avancer parce que on ne sait pas si ce que vous souhaitez, c'est de faire de cette liaison ville haute-ville basse un moyen de locomotion, une minute et demie dans l'autre sens, donc avec un effet piston, enfin où on monte très vite et on descend très vite. » Ou bien, est-ce que vous voulez qu'on interrompe par un plateau panoramique et auquel cas, ça deviendrait autre chose, ça deviendrait un usage pour la locomotion, bien sûr, pour le cheminement, mais ça deviendrait aussi quelque chose de plus touristique, etc. Nous étions ouverts à poursuivre la discussion avec eux, à mesurer avec leur expertise professionnelle ce qui convenait le mieux, ce qui convenait le moins, quel était l'axe qu'on préférait, etc. Sauf que ça s'est interrompu à partir du moment où on a dit « Nous, nous privilégions le cheminement parce que nous savons que nous aurons des panoramas exceptionnels, quoi qu'il en soit, et que par conséquent, comme ce qui est le plus important à nos yeux, c'est que l'usager du train, comme l'usager centre-ville, c'est-à-dire du train qui descend du train et qui vient en centre-ville, et du centre-ville qui va à la gare, ce qui est important pour lui, c'est notre vision, c'est que ça aille vite et que ça soit rapide, facile, d'accès, etc. Je ne sais pas, je parle sous le contrôle de ceux qui y assistaient, mais moi j'ai eu le sentiment qu'à partir de ce moment-là, ce n'était pas l'option qu'avait retenu Alphaville et que donc ça ne leur convenait plus. À un moment donné également, ils nous ont imaginé, je vais tout vous dire, hein, on va rien se cacher, ils avaient fait une proposition qui était très alléchante en elle-même, c'était de faire un cinéma. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Je trouvais que c'était une bonne idée. Sauf que cette idée-là, elle est sur le papier. Parce que la réalité, c'est que, et comme vous le savez évidemment, on ne n'installe pas un cinéma comme ça. Il faut des autorisations, il faut avoir des accords. Et cet accord-là, tant qu'on avait le cinéma, et il vient de se rénover d'ailleurs, tant qu'on a un cinéma dans le centre-ville, qu'on en pense du bien, qu'on en pense du mal, peu importe, n'empêche qu'il existe, il fonctionne, il avance, puisqu'il se rénove, il se modernise, eh bien, on n'avait pas la possibilité d'installer. Donc, vous voyez, c'est sur des choses de cette nature que nous avons à choper. Et pardon de vous dire que sur l'aménagement de Saint-Martin, la chose était beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que la surface, d'abord, était beaucoup moins importante, et ensuite, l'organisation générale était un peu plus facile d'approche. Voilà, je ne dis pas que je détiens la vérité en vous disant ça, j'essaye de vous apporter des éléments d'information et de perception de ce qui s'est passé. Et qui a abouti finalement à ce désengagement. Mais j'insiste beaucoup là-dessus, ça n'est pas parce que nous nous détachons du groupement que nous ne continuons pas à travailler en coopération étroite. Ça, c'est très important de l'entendre. Mais maintenant que nous avons terminé avec les acquisitions et que nous allons passer la délibération sur les maisons ICF dont on va dire un mot, là, la zone est prête en quelque sorte et effectivement... Il est urgent d'accélérer et soyez assurés que c'est ce à quoi nous nous employons. Et pour compléter, le PLU est en cours de modification. Oui.
Le PLU est en cours de modification, donc ça veut dire, parce que ça aussi, c'est, si vous voulez, on est dans le cœur finalement de ce que l'on dénonce en permanence au national et dans nos débats politiques respectifs, qui est de dire la France meurt d'asphyxie, et tout particulièrement les territoires, d'un amoncellement de normes, de règlements, de restrictions, de contraintes, de frustrations, parce que tout est fait, semble-t-il, pour que dès qu'il y a une initiative un peu libre, qui ne veut pas dire désinvolte et encore moins irresponsable, eh bien, dès qu'il y a une initiative de cette nature, elle est bridée. Et c'est vrai que si nous n'avions pas cet amoncellement de normes, de règlements, etc., ça irait plus vite et c'est valable pour tout le monde, c'est pas valable pour nous particulièrement. Mais là, je peux vous dire qu'on le vit vraiment de façon saignante. Donc, si j'ai bien compris, il y aura des abstentions. Même pas ? Si ? Sur cette délibération, il y a des abstentions ? Donc, 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Et il y a un pouvoir et puis une absente, donc c'est 7 sur 8, c'est normal. Donc vous vous abstenez, personne ne s'oppose, ce dont je vous remercie. La délibération suivante, donc c'est ce que je vous expliquais, les pourparlers sont en cours et pas terminés, donc on ne vous la présente pas ce soir. La délibération suivante, c'est Charlotte Julie pour l'office municipal, si vous voulez bien enlever le E de municipal, ça me ferait plaisir. Voilà. Alors, vous êtes invité à vous prononcer sur l'attribution de la subvention de l'Office municipal des sports, qui est une association conventionnée de la ville, pour un montant de 22 580 euros, identique au vote de 2016. Si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé de l'adopter. Je tiens quand même à souligner le travail remarquable de l'ensemble des membres de la commission de l'Office municipal des sports, qui depuis un an a sérieusement redressé la barre. Et malgré les difficultés du départ, ont pu acquérir un minibus l'année passée et viennent d'acquérir un deuxième minibus en revendant les anciens, bien sûr, et avec un résultat positif de plus de 5 000 euros. Effectivement, l'OMS fait un travail formidable. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. Néanmoins, si vous pouviez penser à leur boîte aux lettres, Monsieur Schubert, ce serait super. Bernard Guilcher pour la convention de mise à disposition de parking pour la résidence des marronniers. Voilà. Et pour faire court, je vais vous expliquer ce qui s'y passe. Donc la résidence des marronniers, qui est à l'extrémité de la rue de Plougent, depuis plusieurs années, nous rencontrons les habitants. Et il y a un vrai problème de saturation du parking des HLM Habitat 29. Donc, nous avons essayé des démarquages, nous avons essayé des verrouillages, et rien n'a fonctionné. Aujourd'hui, l'office HLM Habitat 29 nous demande de prendre une solution plus rigoureuse, c'est-à-dire de mettre une barrière. Donc, pour pouvoir le faire, il faut avoir l'autorisation de la ville, puisque le terrain est un terrain municipal. Voilà. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Monsieur Vermeaux. Monsieur Vermeaux ne participe pas, et donc pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. La délibération suivante, précisément concernant ces petites maisons qu'on appelle maisons ICF. En fait, il s'agit de la société ICF Habitat Novedis, qui possède un ensemble immobilier constitué de 5 maisons, d'un poste transformateur électrique et du terrain attenant situé impasse Rolle-Tanguy pour une contenance de 3249 m². Alors je ne sais pas si vous situez ces maisons, donc quand vous êtes face à la gare, ce sont les petites maisons qui sont sur la droite et qui étaient occupées par les personnels SNCF lorsqu'ils avaient des nuits à passer sur place dans leur exercice professionnel. Par courrier en décembre 2014, la société avait confirmé à la ville de Morlaix la volonté de céder ce bien immobilier. Et puis, le 6 février 2015, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, la société a été informée que la ville de Morlaix sollicitait le PFR, dont on a dit qu'elle était donc
concernés par toutes ces acquisitions dans ce quartier pour engager la procédure d'acquisition. Il y a eu une réunion et nous avons, pour les raisons qu'a évoquées tout à l'heure Bernard Guilcher, indiqué que nous étions intéressés par l'acquisition de ce bien immobilier directement sans portage, dans la mesure où l'enveloppe financière avait été consommée par l'EPF. On a donc engagé des négociations amiables, puis nous nous sommes mis d'accord sur un prix de 380 000 euros, sous réserve de la gestion du relogement du dernier locataire, puisqu'il y restait un dernier locataire. Cette opération de relogement est achevée, donc les maisons sont tout à fait libres. Et c'est évidemment un endroit extrêmement stratégique pour nous, puisque c'est à la fois le point d'arrivée de la liaison Villeau de Villebasse, et puis c'est aussi un endroit qui sera extrêmement stratégique pour y installer un équipement structurant probablement de services. Donc vous avez le plan qui est joint à la délibération. Et c'est une délibération que je soumets. D'accord. Et c'est une délibération que je soumets à votre vote. C'était un piège parce qu'en fait c'était le plan des marronniers, pardon. Mais j'ai essayé de vous expliquer où c'était, je pense que vous visualisez où c'est. Donc ce sont bien les petites maisons à droite qui sont derrière le parking quand on monte à la gare, tout près de la ligne de chemin de fer, comme c'était l'usage à l'époque pour ce type de maison. Y a-t-il des oppositions? Monsieur Cloirec veut poser une question, pardon. Oui, une remarque. Je reviens un petit peu sur mon intervention précédente. Ce que je trouve encore une fois dommageable, c'est que cette acquisition, même si elle est stratégique, hein, je comprends bien que c'est un endroit qui ne peut pas être évité dans l'aménagement de la gare, mais ça va nécessiter le recours à un autre cabinet d'études, puisque ça n'a pas été intégré donc dans l'étude d'Alphabil. Et ça veut dire que, pour le moment, on est un petit peu dans le flou. On n'a pas ni la programmation, ni une évaluation des coûts que cela va représenter. Monsieur Guilcher ? Non, ne vous inquiétez pas, Alphabil n'allait pas jusque-là. Donc l'étude en général du quartier, donc du triangle de Gambetta, sera à revoir avec des promoteurs, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec Alphaville. Et, pardon, je reviens encore là-dessus, c'est sur l'étude d'ensemble. Bon, je comprends bien que le quartier Gambetta n'était pas... la zone qui a été étudiée par le cabinet Alphaville ne prenait pas en compte la parcelle dont on se rend acquéreur. Mais ce qui veut dire que dans l'aménagement d'ensemble du quartier, il va falloir repenser aux services et aux autres équipements nécessaires pour le fonctionnement correct. Alphaville ne faisait pas un dessin d'aménagement du quartier. Alphaville, c'était un schéma urbanistique. C'était tout simplement un schéma urbanistique. C'est pas un aménagement. À peine, enfin si vous l'avez vu, c'était quand même extrêmement sommaire. Moi je ne voudrais pas qu'on laisse penser que c'était quelque chose de très achevé. Ils ont fait le travail tout à fait honorable, pour lequel ils étaient payés probablement, mais je peux vous dire néanmoins que je pensais naïvement, ils ont certainement fait très exactement ce pour quoi ils avaient été mandatés, mais moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus terminé. Ça, c'est certain. Y a-t-il des abstentions? Vous vous abstenez sur ces achats? Ah d'accord, bon. Ça, c'est dommage. Enfin bon, bref, pardon, j'ai exprimé un avis, je n'ai pas à le faire. Qui s'abstient donc? L'opposition s'abstient sur cette acquisition. Ah pardon, Jean-Philippe, non. Donc, il y a six abstentions. Vous ne vous opposez pas? Et donc, Madame Scatolin n'ayant pas donné de pouvoir, il n'y a pas de vote pour elle. Marlène Tilly, sur l'avis sur la vente d'un logement social appartenant à Habitat 29 rue Villeneuve. Dans le cadre de son plan stratégique de patrimoine, l'OPH départemental Habitat 29 a mis en place depuis plusieurs années une politique de vente de logements sociaux.
Le bureau du conseil d'administration d'A8 à 29 a ainsi décidé de mettre en vente un logement situé 45 rue Villeneuve. Comme le prévoit la réglementation en la matière, l'avis de la commune doit être recueilli avant la poursuite de la procédure engagée par Habitat 29 pour la mise en vente de ce logement. Il est précisé que tout locataire souhaitant demeurer dans son logement en cette qualité est libre de son choix et reste prioritaire pour en faire l'achat à tout moment. Si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé d'émettre un avis favorable sur la vente de ce logement par Habitat 29. Y a-t-il... Monsieur Vermeaux ? Non, juste pour ajouter, déjà vous informer que je ne participerai pas au vote, mais vous informer qu'en plus, dans le cadre de ce type de vente, Habitat 29 propose une convention à l'accédant à la propriété qui sécurise son achat pendant 6 ans. C'est-à-dire que si dans les 6 premières années de l'accession du bien, il y a un problème dans le cadre du remboursement du prêt, Habitat 29 s'engage par convention à racheter le bien afin de sécuriser le processus d'accession à la propriété. Et comme le disait Marlène, évidemment, le premier qui sera sollicité pour devenir propriétaire de son bien, c'est le couple qui l'habite à l'heure actuelle. Autrement, ce sera les locataires du parc HLM. Mais en tout cas, et au final, seulement des gens qui auraient un plafond de ressources qui permet l'accession au logement HLM. Donc je voulais juste faire un point parce que cette convention de sécurisation sur 6 ans est vraiment facilitante dans l'accession à la propriété. Pas d'abstention, pas d'opposition, merci. Yvon Salin pour la modification du tableau des emplois. Considérant la demande de reclassement d'un agent, considérant la demande de réduction de durée hebdomadaire de service d'un autre agent, vu l'avis favorable du comité technique du 19 décembre 2016, il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des emplois comme suit. Donc une assistante maternelle, CDI qui passe agent d'entretien et de service à l'Economa. Et le deuxième poste, c'est un changement de contrat pour un animateur qui passe agent d'animation périscolaire, garderie et assistant au personnel d'enseignement. Si ces termes de cette délibération vous agréent, il est proposé de l'adopter. La commission de finances a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Pas d'abstention, pas d'opposition. Versement d'une subvention au comité des œuvres sociales. Christiane Léon. Oui, alors cette délibération donc, est l'occasion de revenir sur la qualité du travail qui a été réalisé lors des nombreuses réunions et d'échanges constructifs avec les membres du COS, Madame le maire, les élus de cette commission et Madame Perron. Les membres du COS sont très attachés à un certain nombre d'actions, activités sportives, sorties famille, sorties retraitées, tournois de pétanque, pour maintenir un lien de proximité entre les agents. En complémentarité donc avec le GNAS, le COS continue donc, mais des modifications de fonctionnement ont été apportées. Et ce soir donc, il vous est proposé de valider le versement de 2550 euros au comité des œuvres sociales en application de la convention validée par délibération du conseil municipal le 17 octobre 2016. Si les termes de cette délibération vous agréent, vous est proposé de l'adopter. La commission des finances, dans sa séance du 16 janvier 2017, a émis un avis favorable. Merci. Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Et merci d'avoir souligné l'excellent travail que les uns et les autres ont fait, et notamment le pilotage de la DGS avec tous les administrateurs du COS. La délibération suivante, c'est donc le bilan social, rapporteur Yvon Salin. Tous les 2 ans, chaque collectivité doit présenter auprès de son comité technique un rapport sur l'état de la collectivité. Ce rapport est une obligation légale pour les collectivités territoriales instituées par la loi du 27 décembre 1994. L'arrêté du 28 septembre 2015 fixe la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état des collectivités. Il synthétise en un document unique les principales données quantitatives afin d'apprécier l'état du personnel de la collectivité. Le bilan social représente la photographie des effectifs rémunérés au 31-12-2015. Ceux-ci se composent des agents en poste, des agents en congé qui continuent à percevoir une rémunération, y compris les agents en congé maladie et les agents remplaçants ou saisonniers.
Les données du bilan social sont donc totalement distinctes du tableau des emplois de la collectivité qui recense les postes créés par l'Assemblée délibérante. Le bilan social 2015 a été présenté au comité technique du 19 décembre 2016. Il est communiqué aux membres du conseil municipal pour information. Donc, si ces termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé de prendre acte du bilan social au 31-12-2015. Monsieur Dupont ? Alors, allez-y. Oui, tout d'abord, on voudrait vous remercier de la production de ce bilan social en conseil municipal, puisque ça n'est pas une obligation. L'obligation étant de le présenter en comité technique. Donc on y trouve un certain nombre de données intéressantes, donc pour l'année 2015 simplement, mais sur le nombre d'emplois permanents et précaires sur la ville, les arrivées et départs en 2015, l'évolution des effectifs, les absences et maladies, qui peuvent être aussi un indice de dysfonctionnement au niveau des services ou de relations au travail dégradées, et les moyens qui sont mis pour la prévention, hygiène et sécurité, et les formations qui sont autorisées et financées parfois pour le personnel. Alors, je voudrais faire plusieurs remarques. La première, c'est qu'évidemment, ce bilan social, qui est un document utile, n'est pas le seul indicateur de la qualité de relation, de la relation au travail des personnels de la collectivité, puisqu'il y a aussi un certain nombre de remontées individuelles des personnels en souffrance dont on a pu entendre le témoignage, les uns et les autres, et qu'il y a aussi le climat social, la relation avec les syndicats, qui, je pense, n'est pas au beau fixe. J'en veux pour preuve, par exemple, les vœux de la CGT en début d'année à travers un tract qui manifestait un certain nombre de dysfonctionnements dans la relation à la hiérarchie et un certain mécontentement du personnel. Si on regarde simplement ce bilan quantitatif, qu'il faudrait aussi confronter, je pense, à l'étude qui devait être faite et qui, me semble-t-il, était en cours ou qui a déjà commencé, c'est-à-dire l'inventaire des risques psychosociaux et qui se traduit par une enquête menée par un professionnel ayant une compétence en psychologie et qui, pour l'instant, ne nous a pas été présentée, celle-ci. On se rend compte de plusieurs choses. D'abord que la ville a un taux de personnel précaire de 27% sur 358 agents, et donc 56 agents qui occupent un emploi permanent sans être titularisés. Donc c'est une première remarque que l'on peut faire, avec évidemment un souhait de limiter au maximum le nombre d'emplois précaires sur la ville. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est qu'en 2015, il y a eu tout de même une réduction significative du nombre de personnels, puisqu'il y a un différentiel de 5 agents titulaires qui ont été soustraits en 2015. On a perdu 5 agents titulaires. Et si on regarde l'ensemble des agents, non titulaires compris, on est à moins 13% de fonctionnaires, de non-fonctionnaires, employés par la ville en 2015. Donc je trouve que c'est quand même un chiffre important dont j'aimerais avoir l'explication et savoir si on a depuis corrigé le tir, si on a fait des embauches supplémentaires du coup en 2016 pour compenser ce différentiel et faire en sorte que les services soient bien affectés et bien pourvus par les personnels compétents. La troisième remarque concerne donc les maladies, le nombre de jours de maladie. Donc je ne suis pas spécialiste du droit social ni spécialiste des bilans sociaux présentés par les collectivités, mais on peut remarquer qu'il y a un nombre de maladies ordinaires déclarées qui est quand même relativement important, en particulier chez les personnels qui ont entre 50 et 60 ans.
C'est évidemment un âge quand on vieillit dans sa relation au travail, et puis quand on vieillit, quand l'organisme vieillit tout simplement, on peut expliquer qu'il y a une usure qui s'installe. Ça pose question d'ailleurs sur la question de l'allongement du départ en retraite. Et si on regarde les choses dans le détail, on s'aperçoit que y a à peu près la moitié des agents qui ont été en maladie ordinaire en 2015, et que si on regarde sur cette moitié d'agents qui a été en maladie ordinaire, ça fait 24 jours de maladie par agent, pour simplement les agents qui ont été en maladie ordinaire. Ça m'amène à penser, c'est une hypothèse, que ces maladies ordinaires ne recouvrent pas simplement des grippes, des bronchites et des maladies de l'organisme saisonnière, mais que ça peut renvoyer aussi à une relation dégradée au travail, à son poste de travail et à des conditions de travail dégradées. Donc c'est une hypothèse, c'est un point de vigilance à avoir. Ma dernière remarque concerne la question de la formation. Quand on regarde les proportions qui sont données sur les agents qui bénéficient de formation, on s'aperçoit que les catégories A bénéficient globalement plus de formation que les catégories B, qui bénéficient globalement plus de formation que les catégories C. Or, on pourrait, mais là c'est pas forcément la responsabilité de la collectivité simplement, mais ça pourrait être un souhait émis en tout cas qu'on encourage les agents de catégorie C à se former pour évoluer dans leur carrière. Y a-t-il d'autres interventions ? Non, pareil, moi je m'associe, je vous remercie de nous avoir transmis les données. Juste pour dire qu'il faut être... ces données sont importantes. La photographie, quelquefois, est difficile à appréhender à l'instant T, mais les dynamiques de rapport en rapport, les mouvements qu'il peut y avoir d'un rapport sur l'autre sont là pour le coup extrêmement intéressants, et que ça va, effectivement, c'est ces mouvements-là, ces dynamiques-là qu'il faut également appréhender, et pas seulement la photo à l'instant T des données statistiques sur le bilan social. Mais en tout cas, merci de la transmission. Je vous en prie, et merci d'avoir signalé à deux reprises que ça n'est pas une obligation de présenter ce bilan social au conseil municipal. On a souhaité le faire pour qu'on puisse échanger. Alors moi j'entends bien ce que vous dites, monsieur Dupont. Je pense aussi que lorsqu'on a l'interprétation avant d'avoir le texte, c'est toujours un petit peu gênant à entendre. Tout ce que vous avez dit d'ailleurs n'est pas inexact dans l'analyse, et il y a en effet pour chacun et chacune des collectivités le moyen de mettre en œuvre des modalités perfectibles d'exercice et de gouvernance. Bon, néanmoins, il y a quand même des choses que l'on peut observer aussi de façon tout à fait objective. Et puis, je crois qu'il y a aussi un certain nombre de... Mais c'est valable tout le temps, ça. Il y a certains éléments de la photographie que vous évoquez, Monsieur Vermeaux, ne peuvent s'appréhender que dans la perspective, ça c'est sûr. Et aussi, si, il faut toujours se méfier du hors-champ. Vous avez un focus sur quelque chose, et si vous n'appréhendez pas le hors-champ, finalement, ce que vous voyez vous détourne de ce qui est à voir en vérité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ce que je veux dire, par exemple, c'est que sur le rapport de la Cour régionale des comptes qu'on évoquait tout à l'heure, il y avait un certain nombre aussi de préconisations concernant le personnel, et nous n'avons pas souhaité aller aussi loin que le préconisait la Cour régionale des comptes. Donc, de ce point de vue aussi, on ne peut pas d'un côté nous dire « vous n'allez pas assez loin » parce que la Cour régionale des comptes préconise d'aller plus loin que ce que vous avez fait, et puis de l'autre, ne pas souligner que finalement, on va bien moins loin que ce que la Cour régionale des comptes le souhaite, mais dans l'intérêt, justement, du personnel. Néanmoins, nous avons essayé de nous adapter et d'avancer en termes de préconisations. Les représentants des personnels ont été extrêmement proactifs dans cette discussion. Nous n'avons pas...
toujours été d'accord et ça aurait été, à mon avis, très dangereux et très surprenant et inquiétant que nous le soyons. Nous n'avons pas été d'accord sur tout. Nous avons discuté, nous avons argumenté, chacun dans son rôle, et nous sommes arrivés à quelque chose qui est de l'ordre d'abord du dialogue social et d'autre part d'une avancée assez importante. Moi, ce que j'observe pour ce qui est, par exemple, des emplois permanents, c'est qu'on s'inscrit dans une moyenne départementale tout à fait classique et qui n'a pas plus ou moins de précarité ici qu'ailleurs. En revanche, vous observerez qu'on a mis en place des mécanismes d'absorption de la précarité de façon tout à fait volontariste. Sur la pyramide des âges, moi je pense qu'il est important d'observer qu'il y a plus de 25% des agents titulaires qui vont partir en retraite dans les 10 ans à venir. Et que c'est donc l'occasion aussi de re-réfléchir avec les représentants du personnel, dans l'ensemble de la collectivité, avec les cadres, à réfléchir comment on peut avancer, occuper cet espace qui va être laissé vacant par 25% des agents titulaires. Et sur les non-permanents, je voudrais faire observer, et là par exemple, c'est classiquement deux chiffres qui peuvent être analysés à mon avis de point de vue, d'une façon erronée. Les saisonniers que nous embauchons, qui ne sont donc pas des permanents, ont la plupart du temps moins de 25 ans. Donc ça veut dire que pour cette tranche d'âge, on observe évidemment un nombre plus important d'agents non titulaires sur des emplois non permanents. On pourrait l'interpréter d'une autre façon. En réalité, ce sont des emplois saisonniers et il n'y a pas de volonté particulière, mais c'est vrai que les recrutements se font plutôt pour des agents saisonniers de moins de 25 ans. Pour ce qui est de l'absentéisme... L'absentéisme reste stable depuis 2011, c'est-à-dire que le nombre de jours d'absence par an et par fonctionnaire tourne autour de 28 journées par an. On juge que c'est trop ou pas assez, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il est stable depuis 2011, c'est donc stabilité que j'entends. Pour accident du travail ou maladie professionnelle, le nombre de jours est en baisse. Il était de 4,63 jours en 2011 et de 3,9 jours en 2015. Là aussi, je me garderai d'une interprétation. Je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter, mais pour autant, je ne m'en réjouirai pas parce que, effectivement, c'est à mettre en perspective et puis... il y a des événements qui peuvent brutalement faire augmenter les donnes. Voilà, je pense franchement que, je vais faire plaisir à Chantal, c'est la dernière fois. Quand on se regarde, on se désole parce qu'on se dit que tout pourrait aller mieux et qu'on pourrait faire mieux et que... On a du personnel en souffrance et nous ne nions pas qu'il y a un certain nombre d'agents en souffrance, mais vous ignorez peut-être qu'il peut m'arriver aussi de les recevoir et à l'équipe municipale de les recevoir. Nous sommes extrêmement attentifs aux fragilités de nos agents qui peuvent être liées à d'autres événements que ceux qu'ils vivent professionnellement. Nous avons tous la difficulté d'appréhender une réalité contextuelle extrêmement pénible, à la fois économiquement, mais je dirais aussi moralement. Enfin, on voit bien que notre pays vit une crise qui est bien plus qu'une crise économique, qui est aussi une crise d'identité, une crise morale, et que nos agents ne sont pas épargnés par cela. Il suffit par ailleurs qu'ils aient un conjoint qui travaille chez Tilly et qui vient il y a quelques semaines d'être licencié pour que la situation se complique durablement. Et c'est à nous aussi d'avoir cette prise en charge. On ne réussit pas tout. Je ne pense très honnêtement qu'on n'échoue pas non plus, surtout, loin de là. En tout cas, le lien est réel. Notre volonté de faire en sorte que les agents de la collectivité soient professionnellement dans un
nos environnements qui leur soient favorables est aussi vraiment l'objet de notre démarche quotidienne. C'est aussi un sentiment d'appartenance à la collectivité qui fera qu'on construira l'image de la collectivité. Et je dois louer, encore une fois, les relations extrêmement constructives qu'on peut avoir avec les représentants du personnel. Donc, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Merci. Donc, c'est juste un prendre acte. Alors, petit détail quand même, Monsieur Salin s'est engagé, puisqu'il est administrateur du centre de gestion, s'est engagé à faire remonter, comme d'autres de ses collègues probablement, l'illisibilité de ces tableaux qu'il faut vraiment regarder de très près, et parfois même ça ne suffit pas, pour pouvoir les déchiffrer. C'est le produit du centre de gestion, donc c'est un peu pénible. Bien, Monsieur Dupont. Bon, c'est vrai que j'ai parlé longtemps et il y avait une question qui a peut-être été noyée dans le propos et dans les remarques. C'est la question de l'inventaire des risques psychosociaux que notre collègue démissionnaire, Madame Abramovitch, a remis sur le tapis à plusieurs reprises en conseil municipal en début de mandat. Je voulais savoir où on en était de cette question. Je vais parler sous couvert d'Yvon Salin, mais il me semble que c'est présenté au prochain comité technique, à moins que derrière quelqu'un puisse me renseigner, mais il me semble que c'est cela. C'est la réponse que je peux vous donner. Voilà. Georges Aurégan. Si vous vous souvenez bien, lors du dernier conseil municipal, nous avions adopté le renouvellement des conventions concernant les associations culturelles conventionnées. Donc il y avait le Moulin du Bord, il y avait le théâtre et il y avait la Salamandre. Et on avait mis de côté une des conventions, voire parce qu'il y avait un projet de convention commun avec la région, et on voulait tout de suite avoir le texte de ce conseil en adoption. Il se trouve qu'on a pris, pour des raisons techniques, un peu de retard, donc afin de pouvoir procéder au versement des premières parties, premier acompte de subvention à Ward qui organise aussi cette année, c'est le 20e anniversaire du Panorama. Donc on vous fait passer la convention Ward-Ville et sachant que la convention commune avec la région, on la verra probablement au prochain conseil. Abstention, opposition, je vous remercie. Et la dernière, toujours Georges, il s'agit d'une demande de subvention de fonctionnement pour les actions programmées en 2017. Donc, je ne vais pas vous apprendre que le musée des Jacobins sera prochainement fermé en raison de travaux qui vont commencer dès le mois de septembre, comme indiqué lors du dernier conseil municipal. Il n'en reste pas moins vrai que le musée, même si le site Jacobin est fermé, continuera de fonctionner, notamment dans la maison à Pont-d'Allée, et que des actions continueront à être menées dans le cadre d'amélioration scolaire par le musée, et que des actions de valorisation du projet musée seront également menées par la ville. Et le chantier des collections se poursuit. Donc, chantier des collections, on entend par là la rénovation, la restauration des œuvres qui se fait de façon tout au long de l'année. Et pour lesquels, comment dire, la fermeture du site Jacobin n'afflue pas. Donc, afin de pouvoir mener ces différents chantiers, il nous faut le vote de cette délibération qui nous permettra de demander les subventions afférentes auprès de la DRAC. Monsieur Cloirec. Oui, je regrette que le détail des actions ne nous soit pas communiqué. Ça veut dire les actions de valorisation du projet du musée, chacun l'entend comme il le veut. Hein, ça n'est pas une formulation, évidente. Et il y a d'autres interrogations qui malheureusement restent en suspens. Quid du personnel? Quelles sont justement les modalités pratiques de déménagement des collections, etc. Il y a beaucoup d'interrogations.
Je comprends bien qu'il faille voter une demande de subvention, mais par déférence, j'aurais souhaité que l'information soit plus complète vis-à-vis de nous. Donc, pour marquer cette affaire, je m'abstiendrai. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore calées à la semaine près. Si ce n'est que concernant les personnels du musée, outre le fait qu'il va y avoir des départs à la retraite qui interviennent cette année, les autres personnes, comme je l'ai indiqué au conseil précédent, auront, dans le cadre du déménagement des œuvres du musée dans un nouveau lieu de stockage, auront largement de quoi faire et ne seront pas dans l'oisiveté. Ça, c'est très clair. Les personnes concernées auront beaucoup de travail. Concernant le médiateur culturel, il aura aussi son travail. Et sur les dates précises, par contre, des différentes interventions, Mme Perron a rencontré et le conservateur et Mme Rioux, qui est son adjointe, et les personnels concernés pour mettre tout ça à plat, afin qu'il soit rassuré pour peu qu'il ne l'ait pas été. Des abstentions ? Une, deux, trois abstentions, des oppositions. Je vous remercie. Il y a une... Donc c'est la fin de ce conseil et il y a une question orale. Jérôme. Il manque la délibération pour solliciter des choses, enfin la restauration des œuvres. La délibération qui avait été modifiée par le banc. Je ne sais pas qui la prend. Monsieur Cloirec, allez-y. Quelle réaction face à une situation démographique alarmante ? Dans son édition du 2 janvier dernier, évoquant la publication des chiffres de la population par l'INSEE, le quotidien Ouest-France attribuait le bonnet d'âne du Finistère à la ville de Morlaix. Entre 2009 et 2014, celle-ci a perdu 702 habitants, soit 4,6%, et se situe désormais au cinquième rang du département derrière Landerneau. La population municipale ne compte plus que 14 837 administrés. Si l'on tient compte de la population comptée à part, on atteint 15 633 habitants. Mais le recul est encore plus marqué, 1033 personnes en moins en 5 ans. Cette baisse continue pose question. Même si les compétences aménagement de l'espace et développement économique sont du ressort de la communauté d'agglomération, il est légitime de s'interroger sur la volonté de la municipalité de s'emparer du problème. Si on se réfère aux actions relatives à l'habitat subventionné par la ville, conféré le site internet, et également ceux qui figurent dans le pavillon de la culture. On y trouve les aides au ravalement, aux travaux de réfection de vitrines et d'enseignes commerciales, et à la restauration des murs de soutènement. Mais que se passe-t-il quand il n'y a personne derrière la façade ? Rien n'est fait pour conforter les aides à l'habitat, aucune campagne d'information, pas de collaboration avec Morlaix Communauté. Comment améliorer l'agrément à résider en centre-ville ? Des rues soi-disant piétonnes, parasitées par le stationnement et la circulation, des zones à 30 km/h insuffisantes et des passages piétons parfois dangereux, des interrogations sur l'accessibilité des équipements publics et de leur pérennité, médiathèque, MJC, on manque cruellement d'actions fortes en ce domaine. Face aux difficultés du commerce en centre-ville et à l'hémorragie qui se poursuit, départ vers la périphérie des enseignes Bonobo et Cache-Cache, départ d'un cabinet d'avocats, quelle concertation avec les acteurs ? La situation est d'autant plus préoccupante qu'un cercle vicieux nous menace. Moins de population, c'est moins de recettes fiscales, ce qui conduit mécaniquement soit à augmenter les taux d'imposition, soit à réduire les services, ce qui ne peut qu'engendrer de nouvelles fuites de population. C'est la raison pour laquelle la recherche d'une harmonisation fiscale avec le concours de Morlaix Communauté est indispensable. La périphérie n'a d'ailleurs rien à gagner au maintien du statu quo, car elle est elle-même impactée par le déclin de la ville-centre. La baisse démographique touche deux communes proches, dont une partie est englobée dans la zone urbaine. Saint-Martin-des-Champs perd 135 habitants et Plourin-les-Morlaix 238. Pour éviter d'atteindre le point de non-retour,
il est plus que jamais urgent de se mettre autour de la table et d'étudier la concrétisation d'un Grand Morlaix rassemblant au moins la zone urbanisée. Nous ne disons pas que rien n'a été fait. Mais une liste exhaustive de ce qui a été mis en place jusqu'ici est inutile. Cela n'a manifestement pas suffi à enrayer la chute. Et le projet de faire de Morlaix le troisième pôle urbain du Finistère, porté durant les campagnes électorales, semble s'éloigner chaque année davantage. Quand une politique a failli, il faut la modifier. Quelles nouvelles initiatives et quels nouveaux projets la majorité municipale compte-t-elle adopter pour relancer la ville ? Merci pour... Marlène Tilly pour la réponse. Au 1er janvier 2014, selon les données de l'INSEE, Morlaix comptait au total 15633 habitants. 15633. Population municipale 14837. Population à part 796. Nous regardons bien sûr la réalité en face. Celle d'une population qui, comme dans la plupart des villes de même strate en France, diminue. Morlaix n'échappe pas à la règle que l'on observe sur tout le territoire national. Il faudrait être stupide ou vaniteux pour ne pas le reconnaître. Cette baisse est amorcée en 1968. Ce n'est donc pas un problème qui date d'hier. Mais pourquoi, sinon à vouloir faire naître des polémiques stériles, laisser penser que Morlaix est seul concerné comme vous le faites ? Est-il nécessaire d'être aussi outrancier dans l'analyse ? Est-il raisonnable de vouloir faire de la politique à la petite semaine en prétendant que Morlaix serait une exception de médiocrité dans la gestion et dans sa vision d'avenir ? Est-il intelligent de tenir systématiquement des propos négatifs sans jamais reconnaître ce que d'autres nous envient ? Un environnement naturel et patrimonial exceptionnel, une qualité de vie préservée et même développée. Est-il si difficile de positiver et de se réjouir, par exemple, que le groupe Domitis ait décidé de construire en 2017 à Morlaix une résidence-service senior de 113 logements, lorsque l'on sait que la silver economy est l'avenir, que l'investisseur Val d'Azur lance en 2017 sur le site des Ursulines un programme de 60 logements de grande qualité? Ce sont bien sûr de très bonnes nouvelles qui seront suivies d'autres à n'en pas douter. Afin de lutter contre la vacance des logements en centre-ville, dont le taux est d'environ 8%, contre 10% sur l'ensemble de la communauté d'agglomération pour information, nous avons mis en place plusieurs mesures liées à l'habitat, dont le secteur sauvegardé est la plus emblématique. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez des informations sur ce dossier. Comme vous l'avez très justement souligné, les compétences habitat et développement économique relèvent de Morlaix Communauté. C'est pourquoi nous travaillons étroitement avec les élus et les services de Morlaix Communauté, notamment pas plus tard qu'aujourd'hui, à la finalisation du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui est un document préalable au PLUI, le sujet abordé ce jour, les ambitions démographiques. Nous menons par ailleurs un travail constant de recherche de promoteurs immobiliers traditionnels, mais également de concepts plus innovants, comme l'habitat partagé. Mais compte tenu de la politique catastrophique du gouvernement, et une de ses conséquences, la raréfaction du travail sur le territoire, la tâche est plutôt difficile. Nous subissons comme d'autres, mais pas plus que d'autres, la désertification des centres-villes. Mais faut-il déplorer que certains commerces historiques ferment sans observer que dans le même temps, pas moins de 124 commerces et entreprises ont été repris ou créés en 2016 dans la ville, dans la commune. Que des commerces présents depuis longtemps, maintenant, tiennent le choc avec ténacité et persévérance. Que d'autres se sont installés depuis 2008 et sont désormais ancrés dans la ville au point d'attirer une chalandise extra-morlésienne. Et que dire des effets pervers de la métropolisation, développée par la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, défendue par Madame Lebranchu. La métropolisation fonctionne comme un rouleau compresseur pour les territoires intermédiaires et dans la configuration comme celle que nous connaissons ici en Bretagne, dans le Finistère, il apparaît nettement que Rennes se développe, tout comme dans une moindre mesure la métropole brestoise, au détriment des villes de notre taille. Là où nous aurions pu et dû attendre que s'exerce la force centrifuge irriguant les territoires, c'est tout le contraire qui se passe. Il nous appartient donc de nous battre collectivement. Le mauvais process systématique ne saurait en aucun cas être l'arme de la réussite.
Merci. Écoutez, c'est la fin de ce conseil municipal. Je me proposais de vous projeter, si c'est opérationnel, on peut, oui, les horaires de la ligne TGV, puisque nous avons des horaires été 2017 et automne 2017. Alors j'entendais M. Vermeau qui disait tout à l'heure, en là, c'est été 2017, que pour les horaires, on n'avait pas été très bien servi. Je pense qu'il faut la raison. Voilà. Alors, c'est l'histoire du premier train. Je pense qu'on peut continuer la discussion. Néanmoins, je voudrais vous faire observer que pour ceux qui avaient vu la première mouture, la toute première mouture d'horaire et de fréquence, parce que c'est ça aussi dont il s'agit, eh bien, pour l'instant, on ne s'en tire pas si mal, puisque dès l'été 2017 et automne 2017, nous aurons beaucoup de trains qui s'arrêteront à Morlaix ou qui partiront de Morlaix dans des conditions très rapides pour rejoindre Paris. Vous avez les horaires, vous avez également, pardon, il y a peut-être des gens qui sont très habitués aux horaires de train, enfin à lire les horaires de train, j'ai toujours quelques difficultés, je ne pense pas être la seule. Les petites, ce qui est en bleu, le petit tableau bleu qui est en dessous, c'est évidemment la fréquence. Donc vous avez les jours, lundi, mardi et jeudi, vendredi, samedi et dimanche. D'accord ? Donc, plus vous avez de petites barrettes bleues, et plus le train est régulier. D'accord ? Ce qu'il faut observer, c'est pour l'été. Là, on est sur l'été, hein, Jérôme, c'est bien ça ? Oui. Pour l'été, vous avez un 5h52 qui arrive à 9h04 à Paris-Montparnasse. Donc, c'est quand même tout à fait rapide. Et dans l'autre sens, vous avez un Paris-Montparnasse qui part à 9h56 et qui arrive à 12h49. Oui, à 9h56, 12h49. Sur l'automne, je peux peut-être montrer l'automne. Sur le Morlaix, le départ Morlaix, le 5h52 arrive à 9h04, tous les jours de la semaine, hein, sauf le dimanche, mais tous les jours de la semaine, donc là on parle d'usage professionnel. Et pour le Paris-Morlaix, le plus intéressant est, me semble-t-il, le 7h40 qui arrive à 11h03. Alors, il est vrai, et vous avez raison, c'est que nous avions tous, et nous avions même voté une motion pour ça, et nous pouvons continuer à agir là, en ce sens. Il serait intéressant d'avoir un premier train qui arrive plus tôt, hein, bien sûr. Professionnellement, ce serait plus intéressant. Mais, dans la mesure où ces horaires qu'on vous montre ce soir sont des horaires figés, qui sont validés, à mon sens, il faudra quand même être très vigilant pour les conserver, mais n'empêche que dès l'été 2017, on pourra partir de 5h52, arriver à 9h04, et dans l'autre sens, et avec un nombre de trains importants. Franchement, pour tous ceux qui étaient dans les premières discussions, on était loin de cela. Parce qu'on n'arrêtait pas de dire un train qui va vite, c'est bien, mais un train qui s'arrête, c'est mieux. Mais il y avait un conflit, notamment, évidemment, par rapport à Lannion. Il y avait un conflit par rapport à Plouaret. Enfin, tout le monde avait des bonnes raisons pour que le train s'arrête. Pour ceux qui ont connu la lutte pour Plouaret, et je trouve très naturel que les trains s'arrêtent à Plouaret, mais bon, à un moment donné, malheureusement, c'est ou l'un ou l'autre. Et en l'occurrence, on n'est quand même pas trop mal servi. Il y avait un débat entre 18 et 20 heures, suivi d'un dîner il y a quelques jours à Rennes avec Guillaume Pépi sur la mobilité. Nous étions deux Finistériens, Jean Levour chez moi pour ne pas les citer. Je peux vous assurer que la bataille continuera à être rude. Parce que, je ne vais pas caricaturer, parce que j'ai fait un tweet qui allait en ce sens, mais je le pense vraiment, et on l'a observé, le synonyme de Bretagne, c'est Rennes. C'est-à-dire que la bataille va être très rude dans le sens où Rennes va se tourner vers Paris.
alors que, évidemment, c'est tout le territoire qui doit être irrigué. Et on doit vraiment, vraiment se tenir sur les rangs parce que on assiste, et pas juste là-dessus, hein, on assiste à une dérive des continents qui nous éloigne et qui nous rend de plus en plus péninsulaires. En plus, nous, nous sommes coincés entre deux métropoles. On parlait tout à l'heure de démographie. Notre collègue de Landerneau voit sa population augmenter, bien sûr, mais faites bien attention et observez bien, par exemple, la vacance des commerces. Et vous observez que ceux qui habitent Landerneau, en fait, ça devient une troisième ceinture de Brest. Et c'est très bien pour la ville de Landerneau. Mais c'est pour dire que c'est l'attraction de Brest, au moins autant que l'attractivité de Landerneau, même s'il fait beaucoup de choses en termes de services et il fait des choses remarquables. Mais ce n'est pas juste l'attractivité qui joue là. C'est l'attraction, évidemment, de Brest. Et nous, nous sommes entre les deux. Donc il y a une image à construire, une identité à construire. Et très, de façon très révélatrice d'ailleurs, c'est tout à fait à la fin du débat qu'a été prononcé le mot tourisme, parce qu'on était sûr vraiment de l'industrie, de l'économique sur Rennes. Mais à un moment donné, quand on a abordé le sujet du tourisme, tout d'un coup, on a parlé du territoire. Donc il y a une vraie bagarre à mener collective. Et pour conclure, Monsieur Vermont, vous aspiriez de vos souhaits que nos relations avec la communauté s'amplifient. Et bien, je peux vous dire qu'elles n'ont pas besoin de s'amplifier sur ce terrain, parce qu'on est parfaitement côte à côte pour lutter, pour faire en sorte que notre territoire soit reconnu. Annie Perriot est, par exemple, très très active sur le sujet, en étant représentée, enfin en ayant des représentations au niveau national pour porter, par exemple, le tourisme urbain, dont on parle très peu en Bretagne. Et pourtant, le tourisme urbain, ce n'est pas juste le tourisme rural, c'est aussi le tourisme urbain. Et c'est un vrai champ sur lequel nous devons nous développer et nous devons développer notre activité. Voilà, je voulais vous faire part de ça. C'est quand même une perspective d'avenir qui est réjouissante. On est en train de construire véritablement notre carte d'identité. Yann Le Gallic avait envie de conclure, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Non. Juste rajouter le point du haut débit, des actions pour favoriser l'arrivée rapide du haut débit qui ont bel et bien été menées et qui vont porter leurs fruits, j'en suis sûr. Alors merci de cette précision parce qu'en effet, on a évoqué ici une nouvelle catégorie de population qui est encore timide, mais on voit que ça va en s'accélérant, même si ça reste un rythme lent, mais ça s'accélère, c'est le bi-résident, c'est-à-dire celui qui veut pouvoir venir vite à Morlaix et avoir exactement le même confort, c'est-à-dire la fibre, c'est le même confort que celui dont il bénéficie professionnellement en Île-de-France par exemple. Et on a de nouveaux bi-résidents, c'est-à-dire des gens qui vont continuer à avoir un pied-à-terre à Paris et travailler à Paris ou en Île-de-France, mais qui vont inverser leur résidence, c'est-à-dire que leur pied-à-terre sera à Paris, leur résidence principale sera à Morlaix. Et ça, c'est une chose dont il faut se réjouir. Et le secteur sauvegardé veut aussi aller dans ce sens-là, parce que ça leur donne l'assurance qu'il y aura une préservation patrimoniale. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine.